territoire de Mateos et associés. Plusieurs de nos sources affirment que ce gangster a récemment conduit à l'invisibler à l'enterrement d'un client. Si c'est le cas, Tonio est peut-être la seule personne à avoir vu notre cible depuis un bon bout de temps. Bonne chasse. Ok, alors les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Pi Vidéo de Loki, le dieu des pommes. Je vous pour une toute nouvelle vidéo. Je viens de finir le montage des autres épisodes et j'ai entendu qu'on entendait assez bien mon souffle, tout ça, donc je vais essayer de faire tout cette fois-ci et surtout de vous proposer toujours du bon contenu. On a changé de tenue parce que je trouve du coup chez une autre personne, donc en tant que nouvelle personne, évidemment, ça va de soi qu'on s'habille différemment. D'accord. Donc ce que je vous propose du coup, c'est qu'on est reposé sur les missions. On est un peu dans le RP puisque on s'habille différemment. On va aller ici du coup et on se retrouve à la mission. Tonio Mateos n'est pas facile à impressionner. Il veut que tu te charges d'un boulot pour lui et je te garantis que ce sera ultra dangereux. Tu vois pas que tu fous ta vie en l'air en faisant te balader dans la jungle à Tonio? Oh, ça me fout grave la haine que tu sois aussi con. Si tu veux rester en vie, t'as intérêt à me prouver que tu le mérites. T'entends, petite pute? Ces sous-merdes de l'Unidad m'ont confisqué des diamants bruts. Récupère-moi la caillasse, et peut-être, je dis bien, peut-être, que je t'éclaterai pas la face. Ok. Bonne humeur, en tout cas. Alors lui, je connais un dîner où il serait la star. Sur un marché. Merci la Santa Blanca. Au-dessus ! Tire d'efficacité, terminé ! Fuerzas enemigas detectadas, todas las unidades, manténganse en alerta máxima. Je prends toutes les voitures rouges dans le dos, c'est quoi cette blague? Donc, non, sérieusement. Les voitures rouges dans le dos, c'est celle-là. Il y avait 30 000 voitures rouges, excusez-moi, je peux éviter de prendre des voitures rouges dans le dos, s'il vous plaît? Parce que peut-être que je le pratique pour l'émission. Excusez-moi. Lui là, je l'ai dézingué il y a 2 minutes. Puis je... Get out of here, sir!
to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my fall, and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn. Tout le monde veut être un diamant. Mais pour ça, il faut être poli. Respect, ça se voit que tu connais ton taf. Mais si tu veux aller loin avec moi, faut aussi que tu saches pousser une bagnole à fond. Je t'ai trouvé une tire qui va t'exploser la rétine. Installe-toi au volant et je t'explique tout. Comme je te le disais, c'est une bagnole de ouf. Faut avoir la classe quand on transporte des strass. Et avoir la classe, c'est rouler à fond. Dépose le sac à ses coordonnées. Fais vite, et peut-être que tu finiras pas au fond d'un trou si une lutte. Tu m'as fait de la merde avec, là, regarde. T'as un bon qui va rouper, ouais. C'est pas ça, c'est bon pour aller où. Mais putain, tu te traînes! Moi, c'est le genre de truc qui me fout la haine! Okay, ça va être chiant, là. Of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Look out for yourself. But I'm ready. Your words are
up on the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time. La mule arrive avec ses cailloux et attends en plus. Ça t'excite, hein, tous ces diables, ma couillasse. Désolé, mais les petits plaisirs en solitaire, ça devra attendre. Alors toi, t'assures comme j'aime. Ok, maintenant, tu fais partie des rinettes de Slowcoast. Cette caisse, elle est à toi, et Scarty aussi. Et justement, il y a une bande de petits branleurs, Los Sinalma, qui veulent nous prendre un bout de notre territoire. Ils alignent les grosses cylindrées et les avions, histoire de recruter tous les jeunes cons du coin. On est en guerre, physiquement et mentalement. Il faut qu'on montre à ces enfoirés qu'on est les suprêmes BOSS. Et pour ça, tu vas faire deux trucs pour moi. Va aux endroits que je t'indique. Tu veux un truc, tu viens me voir. T'as besoin d'une caisse, je te trouve une caisse. Tu cherches un zinc, je te trouve un zinc. Le nom, c'est Tonio. Moi et mes potes, on est locaux. Mais me prends pas pour un gangsta de la tête. J'ai Koroiko tatoué sur la fesse. La route de la mort est mon terrain de jeu. Elle m'a appris à conduire comme un dieu. Avec Tonio, tu joues pas à l'héros. Moi, l'héros, je la vends dans la street. Je me fais plus de thunes qu'un loup de Wall Street. Tu veux du bling? Wesh, tu demandes au King. Viens pas me chercher, tu peux pas tester. Los Rinettes, Slowcoast, on est les best. On claque, on tease, y'a pas meilleur dans le biz. Si tu crois vraiment que tu peux me détrôner, c'est avec une balle dans la tête que tu vas te retrouver. La seule récompense à tirer de ton orgueil, ce sera les pleurs de ta mère sur ton cercueil. Alors amenez-vous, fils de pute, je vous prends à la suite et je vous bute. Le mec qui veut ma peau, il va voir pourquoi je suis loco. Ma montre est trop bien pour toi. Mon flingue est trop bien pour toi. Il y a ceux qui crèvent sur la route. Moi, je continue coûte que coûte. On est fort, on vous dépasse. Si tu piges pas, on te fracasse. Rinettes locos dans ta face. On assure, on déchire tout. Gangsta, que dans personne nous bat. Ah ouais, le gangster de la rue, quoi. Je le vois. Je croirais entendre une bouilloire. Bien le bonjour. Vous aimez la pêche? C'est un plaisir incomparable. L'occasion de méditer. Encore lui? Isolé. Ravi de vous voir. Je ne suis pas du genre fêtard. C'est le rêve de Flash ou Captain. On les croit souvent idiots, ou mais les coups sont très intelligents. Vous savez qu'il y en a même un qui fait le mort pour éviter les attaques. Mais ce qui me plaît le plus, c'est qu'il faut un petit appât pour ferrer les gros poissons. Pardonnez-moi. Vous voulez savoir où trouver l'homme que vous recherchez? Le déserteur est au camp minier des Sinalma. Faites vite, sans quoi ils lui couperont la tête et ils forceront ses enfants à manger son cerveau. C'est comme ça chez ces barbares. That allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn the haters, oh, the misery. Everybody wants to be
up on the wall as you're praying for my fold. And the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Tu viens me sauver? C'est bien ça? En théorie. Alors tu dois être avec Elocos? Ouais. Je te fais sortir, et tu me dis où trouver la bagnole mythique des Sinalma. La voiture, c'est tout ce qui intéresse Elocos. C'est bien les tunnels, quand on s'éloigne des ennemis quand on sort. C'est limite agréable. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Merci beaucoup. Alors, la voiture... Je comprends que vous la vouliez, c'est une sacrée bagnole. Il la bouge tout le temps, mais aux dernières nouvelles, elle était du côté de Scorpion Valley. Bon courage à toi. Je suis super content de rejoindre les Locos. Et au fait, c'est vrai que vous avez un croisement entre une femme et un âne dans vos caves? Oui, et une licorne dans le grenier. Très bien, chacun a ses délires, mais... C'est ça la bagnole? Je m'attendais au moins à un réacteur d'avion, à des lance-roquettes. Bon, il est temps de la rôder, de préférence sans l'abîmer. Je suis dans le petit. Mythique voiture en tout cas. Putain, alors là, respect, respect! Avec 2-3 modifs, ça va être le joyau de la couronne des Locos. Ah, cette bagnole, c'est de l'or en barre. Tu leur as montré qui c'est les BOSS, ah, c'est bâtard! T'as eu raison de monter au braco, tu vas voir qu'avec tes potes, moi, je suis réglo. Ok, bon, bah, ce que je
vous propose, c'est qu'on s'arrête là. C'était cool. Écoute-le un peu. Il a autant de street cred que ma grand-mère. Ok, on s'écoule. C'est cool, on a avancé un peu, on a pu faire quelques petits trucs. Non, franchement, c'est cool. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on s'arrête là. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Portez-vous bien, passez une bonne semaine, passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.